Folks, I'm back home, and New York was cold, baby. Woo. 2 days in New York. Le froid a failli me tuer à New York, et j'arrive ici, il pleut. Regardez le ciel. It's raining. Mais au moins, même quand il pleut, même quand il fait froid, on est en t-shirt ici. You know, I don't have to cover my body like in New York, man. I couldn't take it anymore. Donc voilà. But Friday I'm flying to Africa. Vendredi, je vais en Afrique. Donc je suis là pour 3 jours et je vais à Lusaka. Voilà. Je vais aller jouer à Lusaka et aider les jeunes et les jeunes artistes et voilà. Mais faire ce que je fais toujours. That's all good. Mais ça y est, il débarque encore l'autre là. Hey, enregistrez ceci. Recording. Désolé, hein, je suis venu prendre un café là où il fait un boucan incroyable. Il y a trop de boucan ici. Là. So, vous savez, c'est très simple. Bia, voici un peu le système que Bia a instauré chez vous. Qui parle. Quand quelque chose qui est, quand ton droit, quand quelque chose dont tu as le droit, ton salaire, c'est un dû. C'est quand tu travailles là, tu pioches, ce qu'on doit te payer, c'est un dû. You know, c'est un droit. Lorsqu'un droit devient une faveur, voilà un peu le concept, hein, on te fait, you know. Qu'un droit devient une faveur. Vous voyez ce que ça génère après. Donc, en fait, on vous a tout de suite ou après dans une position de beggars. Comment tu veux dire beggars? Quelqu'un qui commande. Il y a des gens qui reçoivent leur salaire et disent merci. Voilà. Is talking to you guys? Voilà un peu le système qui a été instauré. Dont tu es même content de recevoir ton salaire, alors que c'est un dû. You know? On te dit même que c'est un don. Il y a des fonctionnaires qui croient encore que c'est Paul Biya qui paye leur salaire. Fucking Paul Biya travaille où? C'est où son... Il travaille où? Il travaille où? You know? Oh, man. Donc, arrêtez de me... You know. Je serai en Suisse au mois de juin. Non, en Suisse allemande. Si je vais en Suisse française, j'aime bien moquer d'eux. Comme ça, je me fais booker à l'intercontinental. You know? Voilà, c'est des mendiants commandeurs, c'est ça. Quelqu'un travaille carrément. C'est-à-dire que le mec qui m'a fait ce café, au moment de payer, hein, c'est comme si je lui faisais une faveur. Mais non, c'est un dû. Le service a été... They provided the service. Mais putain, mais où est-ce que vous vivez? Mais on vous a lobotisé les cerveaux, là, je sais pas quoi dire, là, mais c'est quoi? Non. T'as travaillé. Et cela vient avec un salaire. Si c'est un don, ok. Merci, monsieur le magicien, monsieur le chef d'État. 200 milliards de dons, ok, that's cool. Mais il faudra penser à les payer quand même. Un don est un don.
Dans donner, il y a don. Hein? Hey. Hein? Et c'est toujours comme ça, tout est comme ça. Un pays de, you know, maquette sur maquette. Où sont ceux qui se moquaient de moi là? Hey, Yannick, moi, viens construire 60 milliards de projets, machin truc, qui n'a jamais rien fait. Où est le projet aujourd'hui en 2022? C'est l'arche de Noé ou c'est l'arche de Noah? Dude, man. Stupid ass motherfuckers. Anyway, je viens en Suisse au mois de juin, début juin. Donc voilà, je passerai par la Suisse en espérant que voilà du mire Poutine se calme. J'ai dit voilà du mire. Hein. Le mire, c'est un savon. Hein? Et voilà du mire. Put in. Et voilà du savon, mets-le dedans. Non, ne dites pas que j'ai. C'est le nom de quelqu'un. Ah, c'est le nom de personne. J'espère d'ici là que voilà du mire. Put in. Va un peu se calmer là. And, what can I say? That's it for now. Ok? Moi, je suis en ce moment ici. Je vais aller aider les enfants, les jeunes à Luxaka, en Zambie, cette fin de semaine. Et puis voilà, j'en profite du temps un peu que j'ai maintenant, parce que mai et juin, ça va être serré. Je suis beaucoup, beaucoup booké. Donc j'essaie d'en profiter du temps libre pour essayer de donner aussi de mon temps aux autres. Voilà. Cameroun, Algérie, mais je vous ai déjà donné le score. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Hein? Le score, hein? Vous voulez le score? Tout ce que je sais, il va y avoir des pleurs. Au-delà de la musique, t'as fait quelles études? J'ai un bac à sable. C'est ce que c'est un bac à sable? Pourquoi cela t'intéresse mon niveau d'études? Une chose est sûre, une chose est certaine, trust me, aucun ennemi, je dis bien, quelqu'un qui sort de l'ENAM, ben, à mon beau passe, aucun ennemi ne m'attend. That I could tell you that much, man. I could tell you that much. Anything. Culture générale, anything. You know? Yeah. Moi, je me suis arrêté au baccalauréat. I'm not, je vous le dis. Mais un diplôme de notre époque, même un BPC de notre époque, il vaut largement un ennemi, de loin. Des gens rentrent, il y en a n'importe qui rentre à l'ENAM. Les toqués du président, ils ne sont pas rentrés à l'ENAM aussi? Comment ils rentrent à l'ENAM? C'est du fou fab l'ENAM. C'est du fou fab l'ENAM. So, c'est pas une référence. C'est peut-être une référence. Vous avez vu la référence de l'ENAM chez vous? Regardez tout ce qui sont passés à l'ENAM, c'est là où on forme tous les voleurs. C'est là où on forme tous les voleurs de la République. Oui ou non? Yes or no? That's it. You know? J'ai peut-être pas été à l'ENAM, mais j'ai jamais volé. You got a choice, right there. I never stole any money from anybody. So, ce qui doit être une référence pour vous, non, c'est pas une référence pour moi, c'est pas, you know. Hein? C'est la vérité ou non? Et voilà. Allez, moi je vais repartir à la banque là. Je suis à la bataille avec ma banque là. Hein? Non, je suis à la bataille là, avec la banque là. Tout ça là. Rendez-vous encore là. Bon, je prends un café là. Je les laisse respirer une minute là. Parce que là, enfin, je veux un gros prêt, un gros. Bah oui. Allez, je vous fais la bise. Allez, bye bye. Ciao.